Bonjour à tous, Tania, du 13 qui se lève, Là, dans ce chapitre de Kundhasa Charon, revient à la suite de ce qu'on a expliqué dans le chapitre précédent, comment toute la lumière descend dans les détails et l'étude de la halacha, etc. Il revient et dit, ou les avin, pour comprendre prate et halachot de l'oshrichikla, les détails des halakhot qui ne sont pas fréquentes du tout. C est possible d'ailleurs qu'elles n'existeront jamais. Mais Kol Shekain a plus forte raison, chez Lohi Yulehatidlav, qui ne seront pas dans le monde futur lors de la vie de Puisque toutes les lois, par exemple, de pureté et d'impureté, euh, n'existeront plus quand Machiach viendra Les fautes, il n'y aura plus de fautes, puisqu'il n'y aura plus de Yeterar. Comment gavna Comme les détails des lois de Pigul. Pigul, c'est-à-dire un sacrifice devenu impur. Un sacrifice où le Kohen a eu de mauvaises pensées, etc. Ce sont des choses qui n'arriveront pas ma chère viendra. Alors, comment avoir, comment raffiner des étincelles en étudiant ces route qui ne sont pas fréquentes et voici, Mouda Azot, c'est connu, chez Kohl, ils sont chez Baolam, que toute interdiction qu'il y dans le monde, chaque halachot, donc qui est interdit, chaque interdit, et je le et a une racine et une source de vie dans la clé, pas dans l'impureté. Shim parce que sinon, loyaya, Ça n'aurait pu pas être, ça n'aurait pas pu exister sans avoir une influence d'en haut. C'est-à-dire que chaque chose matérielle vient parce qu'il y a une influence, parce qu'il y a une vitalité, quelque chose qui le fait vivre de là-haut. De ce fait, puisqu'il y a quelque chose qui le fait vivre de là-haut, c'est sûr que si ça existe ici, c'est qu'il y a une certaine influence. Donc si cet interdit existe, c'est que de là-haut, il y a quelque chose aussi qui existe. Même celui qui s'arrange les cheveux, etc. Mais kabel Khayut reçoit sa vitalité à ce moment-là de, de l'endroit de la klipa, de l'impureté. Moi je au besoir, comme c'est écrit dans le Zohar. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose, on franchit l'interdit, ou la chose qui n'est pas, pas du côté du bien, on prend cette vitalité de la klipa vilkar la noire jaquette continue pour cela d'amprater et à même les détails des interdits chelo baulide masemola qui n'arriveront jamais à l'action physique bolama sagashmid dans ce monde matériel micol makom néanmoins shorche hayutam hen bimtsut bepol mashbekhot akipot la racine de leur vitalité sont réellement concrètes dans le monde de la kipa dans le monde de l'impureté donc c'est-à-dire que quand on l'étudie on raffine leurs sources qui est la clé pas qu'est l'impureté fait gama pratim sheuhaliyot et même les détails qui pourront venir shelo hayu velo yulo lamtsiot qui n'ont jamais qui ne seront jamais qui n'ont jamais été concrets qui gane par exemple taotush gagot des erreurs des fautes involontaires shetavkaralachi asirchulu qu'il a appelé le neuvième, dixième, ou chai Gavna, des choses pareilles concernant le dixième des bêtes. Il y a un cas dans le Talmud. Il a appelé la neuvième bête, la dixième bête. C'est pas possible que volontairement il y ait une klippa qui réside dessus. Donc c'est possible que dans un cas pareil, il n'y a même pas de Mitsud d'existence dans l'endroit le, dans le, dans le, dans de la klipa, dans l'endroit de l'impureté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici, puisque c'est quelque chose qui ne viendra jamais. De ce fait, l'existence n'est pas là, même dans le palais de la Klipa. Néanmoins, en continue, avec une note du Tzemar Tzedek. Nirel Il me semble plus que l'Anmohazaken écrit yuchaliot, c'est-à-dire il pourrait être. Alma de C'est-à-dire que c'est pas clair. Parce que la faute involontaire, comme on dit, n'a pas de lieu dans la clipa, dans l'impureté, puisque ça vient du neutre, qui a un côté kadosh, on peut le sortir du côté saint ou du côté impur. si c'est ainsi, c'est-à-dire qu'elles ont une racine au niveau de Noga, du neutre, et pas de la clipa. Il faut quand même expliquer réellement comment toutes ces lois qui ne sont pas concrètes ont une place pour affiner le monde. C'est pour ça qu'Admorazakin continue et introduit. Elles existent, elles sont présentes. Les Havdil, bien sûr, avec une grande séparation entre ce monde-là et tout ce qui est au-delà, la sagesse suprême le qui est venu sur ce détail, qui a été détaillé à Moshe Rabbeinu à sur le Mont-Sinai, que okay. comme il est dit, tout ce qu'un élève ancien va développer, va trouver comme nouveau commentaire, c'est-à-dire tout a été donné à Moshe Rabbeinu sur le Mont-Sinai. Toutes les lois ont été données à Moshe Rabbeinu sur le Mont-Sinai. Et toutes les questions de la yeshiva de Rabbi Yirmiah, des questions qui ne sont jamais arrivées physiquement dans le, dans, dans le quatrième chapitre de Khoulim. On parle si quelque chose de pur, comme l'a dit, est devenu, comme de prélèvement est devenu impur. On parle si ça a été enroulé par quelque chose d'impur. Si un hein, un rat les, les avaler, par exemple. C'est des choses, des choses qui n'y arriveront pas. Alors, on le parle, on en détaille dans la Torah, et ça a été développé à Moshe Nomon Sinai. Car la manière comment la chorhmaïla, la sagesse suprême, s'étend, c'est au niveau de l'insoph, de l'infini qui est habillé concrètement. Et chaque détail de la lacha. C'est un cheveu qui descend de la sagesse suprême de Yassad Barta qui crée la fille au et qui est habillé à l'intérieur. D'où ça descend et ça s'habille, ça, ça intègre les trois mondes inférieurs de Briad, de Yitzir et Matériellement, le cheveu prend toute sa force du cerveau qui est dans la tête. Mais réellement, sa vitalité est infime. C'est la raison pour laquelle elle ne fait pas mal. La même chose aussi, spirituellement, la Torah, c'est du niveau de Chormaïla, la sagesse suprême. Sagesse suprême, comment après, elle se divise, c'est comme ses cheveux, justement, et c'est les nombreux alachot. Et vont descendre dans le niveau de Malchot, ce qu'on appelle Abayasad Barta. Aba, le niveau de Aba, qui est Chorma la sagesse, va descendre jusqu'à Barta, la fille qui est Malchut. D'où ça vient, donc de Chorma jusqu'à Malchut, pour qu'en fin de compte, ça descende jusqu'à notre monde, par les mondes trois mondes inférieurs de Briad, et Assia, et s'habiller dans les Alachoutes. Donc maintenant, on va pouvoir comprendre comment raffiner le monde à l'intermédiaire de ces Alachoutes. Benodai, c'est connu. « car la vitalité, qu'elle puise la clip à l'impureté, de l'arrière des 10 sphères de l'agdoucha, de l'insaleté, au bifrat, et en particulier milvushim de firo, de des vêtements des 10 sphères de Brihaitirasia des trois mondes inférieurs, au bifrat, et en particulier de des deux mondes inférieurs, celui de Yetzira et celui de Asia, à Mouravim, des clipotes qui sont mélangés avec la clipe, avec l'impureté, Kanodasak comme c'est connu, chez Nikata, leur vitalité épuisée de ces niveaux de lèvouchim des vêtements. C'est-à-dire que la clipa, d'où elle prend toute sa vitalité, d'où elle prend sa force, puisqu'elle a besoin de vivre également. Et sa vitalité, c'est aussi de l'agdoucha, mais du niveau d'arrière. Et plus particulièrement dans les spirotes, dans les sphères des trois mondes de Brad et Tirassir. C'est-à-dire que dans chaque sphère, il y a les lumières, il y a les kilim, les réceptacles, il y a les et des vêtements. Les lumières avec leur réceptacle sont complètement unies, on a déjà étudié auparavant. Les vêtements, c'est ce qui est séparé. Et c'est pour ça qu'on parle que la clippa prend sa force du vêtement du levouche. Et donc, réellement, de quel vêtements La canne de indique si on un peu plus. C'est encore dans les deux mondes à faire. Ce pas dans le monde de Bria, mais le monde de Yetzira et de Asiya. Puisque c'est à ce niveau-là, au monde, à partir de Yetsira où il y a le mélange de bien et de mal valider et c'est qu'Alachot quand on s'occupe de ces Alachot, on les étudie dans la parole et dans la pensée, et Midpar, des Dimakdoucha, donc se sépare de la santé, comme c'est écrit dans les Tikkun, dans le Zora, dans Ryamemna, se séparer, etc. C'est-à-dire que quand on étudie cet Alachot, on fait descendre la lumière divine, qui vient, qui sépare la clipa de la L'impureté de la sainteté, afin qu'elle ne puisse plus s'attacher, se mélanger à nouveau avec la sainteté, et prendre sa vitalité. C'est-à-dire que par la Torah, par l'étude, on enlève la vitalité de cette clip, de cette impureté. haïnu c'est-à-dire, Kanoda, comme c'est connu, Mashé Amou, de ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils n'ont pas fait la bénédiction sur la Torah avant d'étudier. Etc. Torin pour faire descendre la lumière infinie Bechor Maïla dans la sagesse suprême, Bahen, qui est habillée dedans. C'est-à-dire que nos sages disent pourquoi la terre d'Israël, pourquoi l'exil est venu Parce qu'ils ne faisaient pas la bénédiction avant d'étudier. C'est-à-dire qu'est-ce que le sens d'une bracha Ils n'ont pas fait la bracha, la bénédiction. Bracha c'est une amchacha. Bracha veut dire tirer, faire descendre. Quand on fait descendre, c'est-à-dire c'est faire descendre la divinité dans la Torah. En d'autres termes. On parle que la Torah, c'est la sagesse suprême. Il faut ici faire descendre cette sagesse suprême, le niveau de Orintzov, de cette lumière infinie de Dieu, dans cette étude de la Torah. Donc je fais descendre dans cet alar. Dans l'allah que je suis en train d'étudier, je suis en train de faire descendre la lumière infinie de Dieu. Donc, mon étude, avec ma bénédiction préalable, c'est-à-dire hein, que quand j'étudie, je suis en train de faire descendre une lumière particulière. C'est pour ça que l'Anne Mourazakène continue et dit be Par la chorma, ils seront raffinés. Sheba, par le or et la lumière infime de Dieu qui est à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on sépare la klippa de la gdusha, L'impureté de la sainte, et comment je la sépare, hein, c'est par l'étude de la Torah. Puisque je fais descendre le or et la lumière infinie de Dieu. Donc cette étude-là a la capacité de raffiner et de séparer la clipa de la kdusha afin qu'elle ne se mélange plus jamais. C'est-à-dire que l'impureté ne pourra plus prendre et puiser sa vitalité de la kdusha. Par l'étude de la Torah de l'homme. Parce que j'étudie la Torah et je fais descendre cette lumière. Et cette lumière-là, comment je la tire Elle se fait à des dioukans, et par la ressemblance suprême de l'homme. Aosé Gamken Bilchotelou qui étudie également cette Allah en haut à sa racine, Benougva desa Adibia, dans le Nougva, la partie féminine de pin de et Tirayasiya. C'est-à-dire que faire descendre cette Orensov, cette lumière infime de Dieu, dans la Chorma, afin de raffiner ce qu'il faut raffiner, c'est par rapport à la racine de l'âme de l'homme. C'est-à-dire que quand on étudie ici la Torah, cette même Torah est étudiée là-haut, par rapport à la racine de la Neshama de l'âme. Donc, comme cette Torah est également étudiée là-haut, automatiquement, ça permet à faire descendre cette lumière, qu'elle descende en Bria, dans Yitzhak et dans Sia, et qui sépare la Kripa de la Gdusha par la lumière de Rinsov que j'étudie. Donc, mon étude agit par rapport à la racine de mon âme, que cette Torah, cette étude va, va, va agir aussi là-haut dans les mondes spirituels, parce qu'elle sera étudiée là-haut, et de cette manière, je fais descendre cette lumière. On basé Yuvan à Noazakhenkoti. Par ça, on comprendra l'obligation de chacun dans le Nefesh, le Roach Nesham à l'Ashli l'obligation de chacun dans le Nefesh, le Roach Nesham les trois niveaux inférieurs de l'âme, de compléter tous les 613 mitzvot. Que ce soit même Arshava dans la pensée, Dibur la parole, ou et dans l'action. Chez une prate et à qui sont les détails de ces à la chot, lavo trichot, la vobe, gilgul, pardes et va devoir, devoir revenir dans un gilgo, c'est-à-dire dans une réincarnation, afin de terminer, de compléter la Torah dans le pardes, c'est-à-dire dans tous les niveaux, que ce soit le sens simple pshat, le remez, l'allusion, le Drash, le commentaire, ou bien le sod, qui sera le secret. Mais pour pouvoir terminer son travail, de raffiner tout ce qui doit être raffiné. Afin de raffiner, tout ce qui doit être raffiné à Nogimlaim, ce qui le concerne, ce qui concerne son âme, Mikol, Arapar, Shikomatadam, Shelema, de tous les 288 étincelles qui sont comme l'homme lui-même, Tariag, Prinot, Klaliot ou Pratiot, 613 niveaux généraux ou en particulier. C'est-à-dire que chacun a, ça part d'étincelles à raffiner, qu'il va raffiner par son étude de la Torah. Par son étude de la Torah, il va raffiner et enlever l'impureté. Et donc, ça va être fait dans tous les domaines et dans toute l'étude de la Torah et mais dans le monde futur quand Machia reviendra. chez Shlaama, quand sera complété ce raffinement L'occupation, l'étude de la Torah sera uniquement au niveau de l'Asitov, de faire le bien. D'élever son âme, ses trois niveaux inférieurs, de Nefesh, de Ruach, et Nechama, les élever de niveau en niveau, jusqu'à arriver à à l'infini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par l'étude de la Torah, il y a le, le sourmira je retire le mal, j'enlève le mal, j'enlève la clipa. Mais quand ma chair viendra, on sera dans le niveau de Aseitov, l'élévation, continuer dans le bien. Et quand également dans les 365, mitzvot négatives, Béchor, dans leur racine, les mal en haut, qui sont les rigueurs saintes, la mtika, les adoucir, dans les bontés. Dans les 248 mitzvot positifs et les inclure tout ensemble. C'est-à-dire que même si les 365 mitzvot négatives de base, elles sont négatives, c'est-à-dire sont des interdits, et c'est l'idée de séparer du mal, donc le surmera, que quand ma chair viendra, ça n'existera pas, puisqu'on parle qu'il y aura uniquement de choses positives. Mais il y a aussi une divinité à faire descendre. La divinité ici à faire descendre, c'est ce niveau de kvourot kdoshot, de ces rigueurs, de cette sévérité sainte qui est la racine de ces 365 mitzvot votes négatifs là-haut, et qu'ils viennent être adoucis par les 248 000 votes positifs, qui sont les niveaux de bonté. Et de cette manière, en fait, par les mitzvot négatives, négatifs, on va adoucir les rigueurs d'Akadosh Baro. Veal c'est pour cela, à Torah Kula la entière est éternelle. Prata, dans sa généralité dans ces détails, chez Gam y compris les détails des Alachot, des lotas et des 365 cent mille votes négatifs qui ne seront plus quand ma chair viendra, Ce sont des branches de cette généralité. Et les kulam et les Mala, elles ont toutes une racine là-haut. dans ces cinq attributs de sévérité sainte, comment comme les 365 cent mille votes négatifs elles-mêmes. C'est-à-dire que la Torah toutes les détails des, des lois et des halachot qui n'existeront plus quand ma chair viendra. Non, moi, elles ont leurs racines là-haut. Et elles ont donc ces halachot, ces détails qui sont ces branches dont on parle, viennent des de kdoshot de ces, ces vérités saintes. les mâles qui sont en haut, prinat adam amechaye, aivarim dekeim deza, c'est le sang qui fait vivre les réceptacles de Zeranpin, ces c'est-à-dire des midotes. Donc les 365 misotes négatives commencent là-haut. C'est ce sang qui fait vivre les membres des misotes de A. C'est-à-dire autant que les 248 misotes positives sont éternelles puisqu'on les appliquera pour toujours, la même chose les misotes négatives sont également éternelles puisque c'est là toute la vitalité. C'est là le sang puisqu'il s'agit de la gvoura, de la rigueur, de la chaleur. Et ça sont les misotes négatives. Donc la Torah entière est éternelle pour pouvoir raffiner aujourd'hui et plus tard, pour pouvoir nous élever. Bonne journée à tous.